Bonsoir à tous, c'est Vindicaire. On se retrouve sur Désolette pour un troisième épisode. Alors, je pensais qu'on pouvait se reposer là-dessus, mais en fait, non. C'est juste un sofa. Il est marqué repos, mais en fait, c'est juste pour passer le temps. Voilà. Tant pis, on fera sans. Donc, ça ne m'arrange pas parce que j'ai toujours pas pu me soigner. Il vend des soins à l'autre con, mais c'est un prix exorbitant. On va pas faire. On va tout simplement essayer de trouver des objets qu'il nous faut. Déjà que là, il y a des marques. Ah, mais non, ça, c'est les marqueurs pour réparer. Il y a de l'eau là, c'est déjà bien ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir un peu en exploration. On va essayer de trouver ce qui nous manque. Donc, un microscope, des microscopes parce qu'il en faut plusieurs, des coffrets. Des grippins, donc tous ces trucs qu'on avait déjà mais que j'ai démantelé malheureusement. Alors je sais pas comment trop ça marche, mais je me demande si plus on s'éloigne de l'endroit où on est apparu, plus ça devient compliqué. Donc je préfère rester dans la zone. On va essayer de visiter l'espèce de petite ville là qui est au sud-est. C'est pas loin, c'est juste à côté. Si je suis dans la merde, j'aurai juste à sprinter ici. Il faut pas manger ça, hein. Faut pas manger ça, hein. Ok. Bref. Ils sont cool, ces petits trucs. Bon, de ce que j'ai vu, les prix sont exorbitants, hein, en termes de pièces. Détaché. J'ai vu une bonne arme qui coûte plus de 2000, j'ai vu des médocs qui soignent tout à 100% qui coûte plus de 2000 et qui soignent toutes les maladies. Et bon, après ça encore, les médocs, je peux comprendre. Bon, au moins on a un flingue. Si jamais on nous emmerde, ça sera vite réglé. On n'a pas beaucoup de balles, mais on a un flingue. Alors ces trucs, j'en ai pas encore rencontré et très sincèrement, j'ai pas trop envie. Un mec là-bas, ouais, il m'a vu. Mais il a l'air d'être bien équipé, lui. Oh putain, il me jette des cocktails Molotov. Eh, hey, t'es fou, toi. Voilà, casse-toi. Bon, j'ai utilisé toutes mes balles, mais au moins je l'ai déglingué. Parce que lui, ça avait l'air d'être un show. Bon, j'ai plus de balles, c'est pas grave. Ça m'a évité de perdre trop de vie parce que de toute façon là je suis pas en position de pouvoir en perdre. Est-ce que ça fait partie d'un camp adverse vu les glyphes? Peut-être, hein. Peut-être pas une si bonne idée de venir ici. Bon, après tout dépend de combien ils sont. Ok, il y en a encore un là qui a l'air bien. Déjà, il a une hache en main. On va éviter de l'emmerder. Il y a une anomalie là. Et il y a une caisse là aussi. C'est intéressant, du coup, ce qu'il y a dans la boîte de médicaments. Ça peut que. Oh! Nice. Alors, ça, c'est ce qu'il me fallait. Yes! Ah, tellement bien ça! Oh! Je suis de nouveau full. Ok. Oh putain! Ça n'a même pas stun, quoi. Un moustachu encore! Genre, on peut parer? Ah oui, on peut parer. Putain. Tu peux prendre tes coups? Voilà. Non, 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 tu restes là. T'assumes. Tu m'as attaqué, t'assumes. Enfin, je t'ai attaqué, mais. T'as voulu répondre, au lieu de te soumettre, t'assumes. Nice!
Bon, ça va, j'ai pas perdu ouf de vie, alors qu'il m'a quand même donné des gros coups de hache dans la gueule. On va dire que c'est bien. On va dire que je m'en sors bien. Allez, dis-moi qu'il y a des trucs à looter par contre ici, hein, parce que là c'était déjà très bien la trousse de soins, ça a bien commencé. Il faudrait que ça continue par contre. Putain, je pensais que c'était un plan ou quelque chose, même pas. Ah! Ok. Oh! Oh oh! Je prends! Alors celle-là elle est morte, on va la démanteler. Du coup, on va équiper. On va prendre quoi en remplacement? Alors lui, il est vide. Ah putain, par contre, j'ai tiré 4 coups, ça m'a viré un quart de l'utilisation. Hein. Ça c'est pas folichon par contre. Alors un truc qui fait bien mal. Bon, on va reprendre une pioche. Hein. Ouais, on va reprendre une pioche. C'est bien ça. Et alors ce truc là. Ouh. Putain, ça carrément on va mettre. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Sinon, il y a ça qui est pas mal, j'ai vu aussi. Mais par contre, c'est une arme lourde, donc je me demande si le fait de la balancer fait pas, enfin, ne fait pas perdre plus de fatigue que une arme standard, je pense. Hein. Bon, on a un truc bien. Un gros flingue, une grosse pétoire. D'ailleurs, ça a quelle gueule? Ah, en fait, c'est un pistolet, c'est même pas si gros que ça. Là, il y a ce truc là qui fait chier. Est-ce qu'il y a un moyen de rentrer à l'intérieur du bunker, peut-être? Ah. Ouais. Ah putain, par contre, je suis plein. Donc, on va dégager ça. On va dégager ça. On va dégager la batte. On va dégager ça. On va dégager. Non, pas ça. Et on va dégager ça. Ça, on va l'utiliser. On va dégager ça. Ça, on va dégager aussi. Celle-là aussi. Ok. On peut rentrer là-dedans? Non. Au final, il n'y avait pas grand-chose à voir ici. Hein. Je suis un peu déçu. Par rapport à ce que ça m'a coûté, les balles de mon pistolet, et je trouve que c'est pas super rentable. Alors, apparemment, il y a d'autres bâtiments là-haut. Ah putain, c'est une zone anomalie, ça, non? Ouais, il y en a. Pas l'air d'être là tout de suite, mais il y en a. Alors, attention, on met les pieds. Ok, là c'est quoi ça? Ça peut se looter, c'est de la merde, on sait pas. Et alors ça c'est quoi ce truc? Oh merde. Hey! Encore une sphère! Bon, eh bah c'est le moment de vérité, hein. On va juste voir ce qu'il y a au campement là. Parce qu'il a pas l'air d'être occupé. Donc c'est plutôt bien pour nous. En plus, il y a une caisse médicale, parfait. Oh, bah ça c'est génial. On démantèle, ça on prend, hop. Ouais, on prend tout ça, c'est pas difficile. Hein. Allez hop, et ça on peut pas prendre, la burette d'huile. Du coup ces trucs on sait pas trop ce que c'est. Bon! Ok, c'est un téléporteur. Et ça mène où? Hi!
Oh putain, je suis à l'autre bout du monde. Pourquoi j'ai fait ça? Non. Va-t'en. Ils s'attaquent entre eux? Enfin, ils essaient. Vas-y petit, tu peux le faire. Ouais, vas-y, F-foi en ta puissance. Attaque. Le méchant, il va se faire dérouiller en 30 secondes s'il se retourne, le... espèce de hareng mort-vivant. Là. Bon, bah, puisqu'on est là... Hein. On va faire... Oh! Ah, il y a une autre boule là-bas. Peut-être que ça va m'envoyer près de là où j'étais. Ok. Il y a du monde entre... Il y a toujours l'autre qui essaie de bouffer son copain. Oh putain, il l'a eu, eh. Dis donc, c'est hargneux, ces petits trucs, eh. Ou alors, c'est les gros qui sont vraiment nuls. Ah! Est-ce que je vais trouver mon microscope, ici? Ou la mort. Ah puis dis donc, il y a un gros bâtiment là. Ah, il y a un gros machin aussi. Ouais. Ah, il se tape. Oh putain. Ok, je sais pas ce que c'est, mais on va pas y aller. Hein. Wow, c'est quoi ces trucs? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Wow! Machin, il se téléporte! Bon, ils sont trois, mais... Bon, j'ai pas envie d'attirer l'attention sur moi par contre. S'ils sont un peu nombreux. On va les laisser faire, on verra bien ce qui leur sort, hein, qui gagne. Moi en attendant, je vais manger parce que j'ai faim. Voilà. On va boire. Tant pis, ça fait perdre la vie, mais j'ai pas le choix. Non. Voilà. Oh putain, mais ce truc, il est sur les maisons en mode rien à foutre, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, on va en profiter qu'il soit là-haut. Wow. Ok, il est plus là-haut. Vous savez quoi? Juste au cas où ça vient vers moi. J'aimerais bien passer, mais j'ai peur qu'il se téléporte là, justement, comme il l'a déjà fait au moment où j'essaie de passer. Ça m'embête. Un peu. Putain, il y a Hachoum. J'ai peur d'engager le combat parce que s'il me voit, je sens que je vais pas faire long feu. On va faire le tour. Ça a pas l'air cool comme créature. Parce qu'ils sont quand même trois à lui taper dessus et ça a pas l'air de la gêner des masses. Donc on va bien l'éviter. On va rester raisonnable. Par contre, j'ai perdu de vue la bouboule rouge. Elle était par là, non? Elle a disparu, merde. Elle a peut-être disparu. Hein. C'est peut-être temporaire seulement. Alors là-bas, il y a un connard. Bon.
Ah, il y en a plusieurs même. 1, 2, 3. Bah, par contre, est-ce qu'ils sont fous ou est-ce que c'est des hommes, c'est des humains normaux? Ok, il a une arme en main, mais il a pas les yeux qui brillent, il parle pas tout seul. Par contre, ils sont nombreux quoi. J'aimerais être sûr. Est-ce que je peux faire du soin encore? Un petit peu. Oui, je peux préparer un onguent. Ça, c'est bien. Ça, je vais pouvoir me soigner. Voilà. Les cachets, on va les garder juste au cas où. On est à 52%, c'est pas mal. Ça m'embête d'avoir perdu la sphère rouge. Je comptais un peu dessus pour me rapprocher de là où j'étais. Parce que là, je suis quand même très très loin. Hein. Bon, en même temps, il fallait que je teste. C'était obligé. Lui, par contre, il a l'air fou, tu vois. Oh. Oh là là, il y a tellement de trucs à regarder ici dans ce jeu, c'est un truc de malade. Tu fais 50 mètres, tu trouves quelque chose d'autre. Ok, c'est quoi ces trucs encore? J'en ai marre d'aller de danger en danger. Là, on retourne vers chez les autres. Chez les sept nains. Il est toujours là le gros machin qui les défonce ou. Il en a eu marre de jouer avec eux, il s'est barré. Par contre, je fouillerais bien leur secteur. Ils ont l'air bien équipés quand même. Ah, il y a Choum ici. Lui, il a pas l'air d'étouffer avec ses potes, ils sont en train de se faire éviscérer par une espèce de goule qui se téléporte. Ah putain, ils sont plusieurs, ok. J'ai pas le matos pour ce genre de truc, j'ai pas envie de mourir. Je sais toujours pas qu'est-ce qui se passe quand on meurt dans ce jeu. Si c'est vraiment punitif ou pas. Ah, là. Qu'est-ce que j'ai réveillé là? Ah, c'est ça! Mais ça sert à rien ça! Ça c'est. C'est du menu frottin. Et il y a un espèce de truc qui doit là, normal. Bon, en tout cas, le fusil à pompe, je constate que. What the fuck? Mais c'est quoi ça encore? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Wow! What the f... Ça doit être quelque part par là, sur l'autre côté. Wow! Qu'est-ce que... Et ça, c'est quoi? Il se passe trop de choses là. Mon cerveau est en train de fondre, il se passe trop de choses. Alors toi, par contre, je sais pas encore si t'es fort ou pas. Je t'ai pas encore goûté. On peut savoir ce qui m'est arrivé là? Pourquoi j'ai pris des dommages? Attends, qu'est-ce qui m'arrive là? C'est quoi ça? What?
Ça veut dire quoi, ça? Ok. Faut que je me repose? Vous êtes conscient que là, ça va être difficile de me reposer, hein? C'est quoi ça? Putain, il y a des trucs qui se passent là. Station radar coupole. Oh merde, c'est là qu'il faut que j'aille. On voit rien du tout là. Mais quand je dis rien... Oh putain, c'est là qu'il faut que j'aille pour ma quête principale. Bon, j'ai des points de compétence. Alors, est-ce que la vitesse de récupération de l'endurance augmente de 20%? On s'en tape. La probabilité d'émettre un bruit soudain est réduite de 20%. Ça peut être pas mal. On va faire ça. Ok. Est-ce que je peux descendre sans me péter les deux chevilles? Ça a l'air bon. Alors, dernière chose. Voilà. Trouver la station radio coupole dans le secteur G7, on y est. Trouver une Wanoga sous l'une des coupoles. Et c'est quoi une Wanoga? Parce que j'ai que 6 balles et j'ai que la moitié de ma vie. Hein. Donc la Wanoga... bien nuit, bien son. J'aime pas du tout cette ambiance. Hein. J'ai peur. Ok, y a un mec là-bas. On va manger encore parce que visiblement je suis pas en forme de ce côté-là. C'est pas ouf, mais on va faire avec. Hein. Merci, je sais. Alors, ça va être un malade. On va lui mettre des coups de lettre dans la gueule. Hop. Cela, on commence à savoir comment les gérer, ça va. Est-ce que tu parles tout seul? Est-ce que tu es fou? Ouais, t'as l'air bien fou, quoi. Where is everybody? Where's everything that was before? Allez, prends tes coups. Voilà, c'est bon, calmé. Ça va, on l'a bien géré, lui. Ok. Donc là-dedans, apparemment, il y a quelque chose. C'est pas cool. C'est marrant, mais ça me fait pas penser à une station de radio, ça. Ça me fait plutôt penser à un centre de recherche. Ah putain, trouver une carte d'accès, on va te faire foutre. 87 mètres. Ok. C'est parti. Attends, mais... C'est où ça sur la map? Ok, donc il faut que je sorte et que je descende le long de la route. Mais il n'y a pas de descente là?
Ouh, alors c'est peut-être sous terre, là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais j'ai pas envie d'aller là-dedans, moi. Ça a l'air vachement chaleureux, l'ambiance, ici, dis donc. Avec des espèces de vers qui sortent... Je sais même pas comment définir ça. Ah, ça... Ouais, ça a pas l'air super sain, ici. Hein. Et c'est comme ça, loin? Je suis censé faire comment? Ok. Mais dites pas qu'il y a des créatures encore à combattre là dans ce merdier. Déjà pas simple. Si en plus vous me foutez des ennemis là-dedans. Dites-moi que c'est simple jusque-là. Rien à fouiller là-dedans? Pas de piège par là? Non. Jusque là, ça se passe pas trop mal. Ça pourrait être pire. Oh. Ah putain, comment je fais pour ouvrir ces trucs? Les auditeurs nous ont signalé que l'activité paranormale s'est intensifiée sur l'île. Sans blague, je viens de voir une espèce de... Je sais même pas comment le définir, un truc qui fait 30 mètres de haut. Il y a un machin qui se téléporte et qui tue les gens. Il y a un mec mort qui vibre. Moi je veux bien, hein, mais... Ok, pour la carte d'accès c'est good. Est-ce qu'il y a un intérêt à aller par là-bas? Non, on peut rien ramasser, c'est un truc de malade. Une flèche qui dit aller vers là. On y va ou pas? Vous savez quoi? On est déjà pas en forme. On a faim, on va bientôt mourir de soif aussi. On va pas se fendre la tête visant. Hein. Oh putain, encore un mongol là, qui se balade. Ok. J'ai soif. Hey, j'ai plus rien à boire. On va se bourrer la gueule. Comment ça a l'air trop bien ici? Au moins il y a des loots. Pas le cas jusqu'à maintenant. Oh! Ça a l'air bien ça! Ça aussi, ça a l'air bien. Ça aussi. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme arme? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors par contre, ils disent pas quel type de balle ça utilise. Bon, j'en ai que 3. C'est pas ouf. Ça, ça fait mal. Ah ouais, le pied de biche fait bien mal aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ce que je vais faire, c'est que... On va équiper un maximum de trucs qui fait des gros dommages à longue portée. Parce qu'on sait pas ce qui va se passer avec la créature. On va encore prendre ça. Ça fait 3, 6, 12, ça fait 13 projectiles à tirer. On est pas mal, je pense.
Non, on va pas tout de suite aller là. Non. Non. Je vais sortir de mes oreilles, la mouche. Ok. Ok. Bon. Je dirais que quand il faut y aller, il faut y aller. Je suppose que ça va pas lui plaire si je lui tire dans la gueule. Ça a l'air vachement sympa, hein. J'allais dire, je l'ai tué. Eh oh! Ok. Ah. Oh putain, j'ai plus de vie. Non! Non! Je l'avais presque! Je l'avais presque! Non! Ah non! Ah putain! What? Vous avez 10 minutes pour retrouver... Non! 10 minutes! Oh non! Oh, 10 minutes pour retrouver le cadavre! Elle était quasiment morte en plus, merde! Oh, comment je suis deg! Dix minutes et ils vont me refaire apparaître à la base? Sachant que j'ai pris une anomalie pour être là si vite? Putain! Et en plus, entre moi et cet endroit-là, si je réapparais à la base, il y a toute la zone de la voie ferrée avec qui est bourrée d'anomalies et de créatures. Pour simplifier le truc encore, je suis sûr qu'il va faire nuit. Ah oh, putain, je suis réapparu dans la base. Va te faire foutre. Un kilomètre. Bon. C'est par où? C'est par là. J'ai quand même quelque chose sur moi ou pas? Non, j'ai rien, je suis vraiment à poil. Bon, quand il faut y aller. Hein. Alors, c'est par là. Bon, ça va être en mode speedrun, hein, parce que j'ai pas trop le choix, là. Il y a déjà 2 minutes qui ont passé, quoi. Presque. Non, mais c'est impossible. C'est impossible. Je peux pas. En 8 minutes, faire... Bah tiens, un microscope. Très bien. Si je tombe sur le moindre truc qui représente une menace, je suis dans la merde. Bien sûr, l'anomalie est plus là, qui m'avait permis de me téléporter. Là.
je suis hésitant à l'idée de courir parce que j'ai peur s'il y a un truc qui me saute dessus de pas pouvoir sprinter pour m'échapper. Comme j'ai rien, j'ai pas d'armes, j'ai que dalle. Ça me paraît quand même compromis. Hein. 700 mètres encore. Bon, à sa décharge, il court vite. Oh putain. Et. Okay. Eh, vous savez quoi? Ils sont occupés. Moi, je m'en mêle pas. Je m'en mêle pas. Je suis pas dans votre truc. Frappez-vous sur la gueule si vous voulez. Apparemment, on m'a cassé quelque chose de la fraction de seconde où je suis passé à côté d'eux. Ça, c'est quoi? Ça, c'est gentil. Ok, c'est pas gentil. Non, non, y'a personne. Je vois pas de quoi vous parler. Ok, ça sera donc à travers votre croquant. Eh, et je fais que passer, les gars. Vous inquiétez pas, je m'arrête pas. Salut! Comment tu vas? Et continue ce que tu fais, hein, t'as l'air de bien le faire. Et toi aussi, d'ailleurs. Allez! Ouais, voilà. Salut! Ah, oh putain, t'as un flingue, toi! Eh, là-bas, ça se fight aussi. C'est génial. Putain, une grenade là-dedans, je te dis pas le bordel que tu fous. Allez, partons dans la forêt, c'est mieux. C'est plus dangereux. La mort y est plus directe. Putain, je vais le faire. Ta gueule! Oh. Ah, mais t'as peur, toi, t'es gentil. Très bien. C'est bon à savoir. Pff, 200 mètres. 200 mètres. 200 putain de mètres. On va pas se vautrer, on va pas faire le con. Ouais, t'inquiète. Je suis pas chiant aujourd'hui là. Je suis en mode de taille à la route. Ouais, allez-y, balancez vos molotov. Allez, allez. Je suis censé passer par où, là? Il me reste 3 minutes. Franchement, c'est faisable. Ça a l'air de le faire, par là. Ah putain, non, ça fout la merde, ça. J'ai pas cherché midi à 14h, on va pas perdre de temps. On va sprinter, on va faire le tour pour essayer de repasser par là où je suis passé la première fois. Ouais, je sais. J'ai obligé de faire tout le tour! Vous me cassez les couilles, hein! En plus, il y a 10 maboules au mètre carré, là! Ouais! Touche-toi la bite! Je suis en mission! J'ai pas le temps pour vous! Ah oh. Ah, voilà. Ah putain, me dis pas que tu vas rester bloqué dans le seul décor du jeu. Allez, laissez-moi passer, putain. Je m'éloigne de nouveau là. Ah, mais c'est pas possible.
casse-toi d'ici, toi. Bien sûr, tu... Ouais, voilà, tapez-vous entre vous, là. Allez, tapez-vous dessus. Faites-vous plaisir. Voilà. Cassez-vous la gueule. Ok. Il me reste combien de temps pour rentrer ? 30 secondes ! J'ai pas le temps ! J'ai pas le temps. Voilà. Mon corps. Non ! Putain, il a des pops ! Ok. Viens. Allez, viens. Allez, décroche-toi de ta merde, là. Viens. J'ai fait tout ça pour rien. Salope. T'étais morte, en plus. T'étais morte. Allez, viens. Tu crois que tu me fais peur ? Allez, viens avec ta sale gueule. Allez. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je suis un fou, moi. Tu m'as énervé. Allez, viens là. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux danser ? Je suis là. Eh, attends, il me restait de la vie, là. Ok, bon, ou pas. Bon. Eh ben, je pense que c'est mort. De chez mort. Là, au moins, j'ai pas à me soucier de récupérer mon corps, puisque, de toute façon, j'avais plus rien. Mais ça fait quand même bien chier. Donc maintenant, on le sait, quand on crève, on a 10 putains de minutes, qui déjà sont réduits de 2 minutes à cause des temps de chargement, pour trouver notre cadavre. C'est génial. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Ce qu'on va faire, c'est que je vais farmer pour récupérer un peu du stuff décent, et puis on reprendra à partir de là. Donc voilà. C'était Vindicar, c'était pour vous sur Désolate, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Allez, ciao à tous, et bonne soirée.